C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue à la salle polyvalente de l'Agor pour une séquence très importante et un petit peu historique pour chaque mandature. C'est l'installation du nouveau conseil municipal qui est issu du premier tour des élections du 15 mars. Conformément à la dernière ordonnance gouvernementale, le conseil municipal issu de ces élections peut s'installer aujourd'hui. Il se déroule à huis clos, comme cela a été annoncé sur la convocation qui vous a été adressée. Et pour qu'il y ait une visibilité du public, ce conseil municipal est diffusé en direct sur la page Facebook de la mairie de l'Agor. Et je salue au passage tous ceux qui peuvent nous regarder et nous écouter. Merci pour votre présence. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Comme je l'ai dit, c'est une séquence importante et historique de votre mandature qui commence. Et je vous donc déclare officiellement élu et installé. Vous êtes donc officiellement, ce jour, le conseil municipal de l'Agor pour la mandature 2020-2026. Je vous souhaite bon courage, vous en aurez besoin, je pense. Je vous souhaite beaucoup d'enthousiasme. Et je donne directement la parole au doyen d'âge, Patrick Gia, pour assurer la présidence de cette séance. Merci, monsieur le maire. Je dis, et n'en soyez pas surpris, monsieur le maire, puisque vous le savez, monsieur Antoine Hugo est maire de l'Agor et qu'il l'est jusqu'à l'élection du prochain maire. Donc, monsieur le maire et mes chers amis conseillers, d'abord, je dois vous dire que je suis très honoré d'être à cette place, d'être président, même si le fait d'être doyen n'est pas toujours une position extrêmement confortable. Mais enfin, je suis très honoré d'être ici et de participer à cette séance. Je voudrais, avant de commencer, avant que nous passions à l'élection du maire, vous faire part, partager avec vous trois réflexions. Ma première réflexion, c'est une pensée pour l'équipe à laquelle nous succédons. L'équipe précédente, et en quelques mots, je voudrais vous dire combien elle a été pour moi une équipe décisive. Je suis ce qu'on peut appeler un ouvrier de la 11e heure, c'est-à-dire que, vous le savez, certains d'entre vous sont des compagnons de route depuis parfois plusieurs années, parfois plus d'une dizaine d'années, et moi j'arrive, j'ai toujours eu des convictions politiques très marquées, très fortes. Et j'ai toujours eu un engagement à minima. Et cet engagement, aujourd'hui, je voudrais qu'il soit beaucoup plus actif. Et c'est un peu grâce à l'équipe précédente, parce que pendant les 6 années qui viennent de s'écouler, j'ai été témoin, j'ai été un observateur attentif de ce qui s'est passé dans la vie de cette commune. Et j'ai apprécié beaucoup le travail de l'équipe à laquelle nous succédons, à la fois au niveau de ses prises de décision, au niveau de ses actions. J'ai été convaincu par le fait que, par rapport au programme annoncé, cette équipe a tenu ses promesses. Voilà. Et pour moi, ce sont des signes très très forts, et ce qui fait que lorsque M. Antoine Hugo m'a proposé d'être sur sa liste pour cette élection, j'ai accepté d'emblée. Donc vraiment, je veux remercier cette équipe, parce qu'elle a été exemplaire à mes yeux, et elle nous laisse une commune dans un état parfait. Et pour nous, c'est quand même un aspect très important. Ma deuxième remarque concerne cette équipe, l'équipe que vous constituez, que nous constituons. J'ai été frappé par la richesse de cette équipe. Pour faire court, j'ai, pendant plusieurs années, conseillé des entreprises sur ce qu'on appelle la constitution d'équipes hautement performantes et hautement dynamiques. Bon, c'est un concept qui est important, puisque en entreprise, on travaille beaucoup en équipe, et qu'une équipe, ça se constitue d'une certaine manière, ça ne se constitue pas au hasard. Moi, j'ai été frappé, quand j'ai fait connaissance de vous, de l'équipe ici, par la richesse des personnalités, la richesse des expériences, et surtout par la force de l'engagement de chacun d'entre vous.
On a eu l'occasion de partager, il y a quelques mois, on ne se connaissait pas, on a eu l'occasion de partager au cours de réunions, au cours d'ateliers, et j'ai été, moi, extrêmement intéressé par le fait que cette équipe constituait un ensemble extrêmement cohérent, ce qui me rend tout à fait optimiste sur l'efficacité qu'elle pourra avoir dans l'avenir. Efficacité qui, bien sûr, sera, et vous en doutez, c'est ma troisième remarque, qui sera extrêmement importante puisqu'on aborde cette mandature dans des conditions extrêmement particulières. Extrêmement particulières parce qu'il y a 6 mois, quand on a commencé à réfléchir sur le projet, bien sûr, personne ne pouvait imaginer qu'on serait aujourd'hui dans une situation telle que nous venons de la vivre et telle que nous la vivons aujourd'hui. On vit aujourd'hui une situation qui est une véritable tragédie. On peut le dire, tragédie sur le plan humain, sur le plan sanitaire, sur le plan humain parce que 30 000 morts, 30 000 familles endeuillées, c'est déjà beaucoup et on ne sait pas si ça ne va pas continuer à s'accentuer. Tragédie sanitaire parce qu'on ne sait pas du tout comment traiter cette maladie et comment ça va évoluer. Une tragédie également économique et sociale. Économique, parce qu'on nous dit aujourd'hui que plusieurs centaines de milliers d'entreprises pourraient mettre la clé sous la porte et donc plusieurs millions de personnes se retrouver au chômage, en difficulté. On est dans un pays, et c'était des notions qu'on avait avant, on est dans un pays riche, 6e puissance mondiale, et en même temps dans un pays où déjà, auparavant, il y avait une certaine pauvreté, de certaines inégalités. Je prends les chiffres de l'UNICEF d'il y a 2 ans, qui indiquent que 3 millions d'enfants dans ce pays vivaient en dessous du seuil de pauvreté. On dit que depuis le début de cette épidémie, il serait maintenant 5 millions. 5 millions donc à vivre dans des familles en dessous du seuil de pauvreté. Si on ajoute tous les chômeurs, toutes les difficultés qui vont se présenter, on a effectivement aujourd'hui des nuages, et des nuages certains à l'horizon. Alors, on va également avoir besoin de revisiter un certain nombre de nos paradigmes. Il y a quelques mois, qui aurait pu penser qu'un pays comme le nôtre aurait pu être autant marqué par une épidémie quelle qu'elle soit ? On avait l'impression d'être dans peut-être le meilleur pays au monde sur le plan médical. Alors ça s'est vérifié effectivement sur le plan des personnels. Les personnels médicaux, aujourd'hui, ont montré leur capacité à traiter cette situation de crise. Mais ce qui n'était pas à la hauteur, bien sûr, ce sont les infrastructures, c'était les budgets, et c'était l'organisation qui a péché. Donc, il va falloir revisiter ces paradigmes, et nous aurons besoin, peut-être aussi, de réfléchir sur une organisation différente, et notamment le centralisme qui prévaut en France depuis de longues années, a montré ses limites en situation de crise. Et on a vu des initiatives locales se développer, les collectivités locales prendre en main un certain nombre de choses, et on pense aussi, je pense en tous les cas, que les collectivités locales auront un rôle à jouer de plus en plus grand dans la vie économique et dans la vie sociale de ce pays. Donc nous aurons, je crois, besoin de tous ces talents dont je parlais tout à l'heure, de cette intelligence collective que nous avons ensemble, pour réussir les enjeux qui s'offrent à nous. Voilà. Je vous remercie. On va passer aujourd'hui, bien sûr, à l'élection du maire. J'ai besoin, pour ce procédé, d'un secrétaire de séance ou d'une secrétaire de séance. Je préviens que le rôle d'un secrétaire de séance n'est pas de tout noter, mais de prendre quelques notes pour ensuite vérifier si le compte-rendu qu'on imprimera et qui est l'enregistrement de cette séance est bien conforme. Est-ce qu'il y a un ou une volontaire ? Merci Isabelle. Isabelle Baudet, très bien. Merci. Donc je vais procéder d'abord à l'appel nominal des participants. Monsieur Gros Antoine. Je suis là. Présent. Brigitte Lacarrière. Présent. Bruno Martin. Josiane Bicard. André Turcot.
Anne-Laure, niveau. Gérard Bach. Bonjour. Magali Lelong. Xavier Bèche. Catherine Chipoff. Philippe Guignoire. Isabelle Baudet. Jean-Christophe Moreau. Lucie Robier. Gia Patrick présent. Micheline Holmans. Jérôme Hubert. Cécile Hervouet. Léo Poiron. Marie-Hélène Fiquet. Benoît Morisio. Samantha Chervé. François Moreau-Chazot. Présent. Marie Taramel. Tamarel. Maria. Pardon. J'ai fauté. Maria Tamarel. Jérémy Machmi. Leslie Seguin-Charras. Voilà. Pierre-Emmanuel Blanc. C'est Joël Lagier, Ronan Maz, ou Mazé, je ne sais plus. Voilà. Donc, nous sommes 28, c'est ça ? 28, donc le quorum est largement atteint, puisqu'il est d'un tiers des inscrits. Alors. Les pouvoirs, Monsieur Bruno Martin a le pouvoir de Leslie, on l'a caché, ici. Leslie Charras. Leslie Charras, Charras. Alors, pour l'organisation du vote, j'ai besoin de deux assesseurs. Et un autre pouvoir. Alors, il y a un deuxième pouvoir, celui de Ronan Mazé, et qui est attribué à monsieur. D'accord. Parfait. Donc, pour l'organisation du vote, on a besoin de deux assesseurs, et on a trouvé que ça avait du sens, à partir du moment où cette séance est présidée par le doyen d'âge du Conseil, de prendre les deux plus jeunes, pour être les assesseurs. Les deux plus jeunes, ce sont Léo et Leslie qui est absent, et donc celui qui vient après, c'est Jérémy Machery. Donc, vous allez être les deux doyens et vous allez m'assister lors de ce vote. D'accord ? Alors, je dois vous lire les articles de loi qui sont relatifs à ce vote. Un petit peu long, mais bon, c'est nécessaire. Article L2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolu. Je crois que ça ne pose pas de problème. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L2122-5.
Les agents des administrations ayant à connaître de la compatibilité communale, de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer, même temporairement, les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Enfin, article L. 2122-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voilà, mesdames et messieurs, les lois qui concernent cette élection. Je dois maintenant vous demander votre accord. Les circonstances font qu'on ne peut pas organiser le vote dans les circonstances habituelles, dans les formes habituelles, et il n'y a pas d'isoloir. Donc, je dois vous demander quels sont ceux, est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à ce que ce vote ait lieu sans isoloir ? Personne ? Bon, donc à la majorité, vous êtes tous d'accord pour qu'on procède de cette manière et donc sans isoloir. Ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a des candidats ? C'est-à-dire que chacun d'entre vous peut être candidat au poste de maire. Nous avons pour l'instant une candidature déclarée, celle de M. Antoine Gros. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Voilà, donc pas d'autres candidats. Je confirme donc que je suis candidat puisque ça doit figurer au procès-verbal. Merci. Bien. Alors, nous allons procéder au vote. Alors, de quelle manière ? Chacun d'entre vous, je vais appeler chacun d'entre vous, et à l'appel de votre nom, on va vous présenter l'urne. Il va être présenté donc par le plus jeune et le plus costaud, c'est Léo. Donc, c'est lui qui va transporter l'urne, s'il veut bien. Et puis, Jérémy l'assistera après pour le dépouillement. Donc, l'urne est ici sur un chariot. Pour éviter tout déplacement, c'est l'urne qui va se déplacer devant vous. Et à l'appel de votre nom, vous voterez dans l'urne. Ensuite, les deux assesseurs vont dépouiller devant vous et vont noter les votes. D'accord. C'est OK ? Est-ce qu'il y a des questions ? C'est simple. Donc, vous avez devant vous un bulletin au nom de M. Antoine Gros, une enveloppe et un bulletin blanc pour ceux qui veulent l'utiliser. Donc, je vous laisse voter et nous allons après faire circuler l'urne. Antoine Gros. Bien. On va faire dans l'ordre de la liste. Monsieur Antoine Gros. Continuer comme ça dans ce sens-là. Pardon. Oui, on va continuer, on va passer dans cet ordre-là. Hein, et puis chacun
Voilà. Chacun annonce son nom. Marie-Hélène Fiquet a voté. François Moreau-Chazeau a voté. Leslie. Lucie. André. André. Oui. Oui. Si tu veux aller moins vite aussi, que je puisse suivre les noms. Hein. Alors, Gérard Bac, Maria Tamarev, Jérémy Tachery, Anne Griveaux, pas si vite, Xavier, Samantha, Samantha, ça aurait été mieux. Cécile. Ah oui, mais j'ai du retard. Vas-y, fais voter Cécile. Jérôme. Hubert. Ok, Jérôme Hubert. Isabelle Baudet. Oui, Isabelle Baudet. Catherine Chipoff. Ma difficulté, je vous l'exprime, c'est que ce n'est pas du tout dans l'ordre ni alphabétique, ni dans l'ordre où vous êtes. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais bon, on y va. Monsieur Guignard, Philippe Guignard. Joël Lagier. Bruno Martin. Deux fois. Oui, pour Leslie. Seguin. Bruno Martin. C'est un peu galère. Hein. Mayali. Lelon. Léo. Léo Pavou. Brigitte de la Carrière. Monsieur Moreau, Jean-Christophe. Micheline Orlemans. Mais cette fille leur vote, parce qu'il n'y a rien dans l'autre. Non, il n'y a rien. Bon, on verra bien que tu n'as rien. Voilà.
on saura qu'il y a une enveloppe. Je vais faire Patrick. Oui, pardon. Patrick. Oui. Et Renaud Mazet. Bon. Alors, toutes mes excuses hein, pour ces hésitations. Oui, toutes mes excuses hein, pour ces hésitations, mais c'est un petit peu compliqué. Compliqué en termes d'organisation, puisque dans les circonstances où nous sommes, c'est vrai que c'est un petit peu rock'n'roll. Et puis, compliqué parce que bon, l'ordre n'était pas le même que la liste. La liste n'est pas par ordre alphabétique, donc bon, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais demander donc à nos deux assesseurs de procéder au dépouillement. Vous ouvrez l'urne. L'un ouvre les enveloppes et donne les bulletins à l'autre. Et vous comptez. Alors, je vais vous remettre le document à remplir. Léo, si tu veux bien. Vous avez un procès-verbal à remplir, tout simple. Hein, le nombre de votes pour le candidat et puis le nombre de votes blancs, s'il y en a. Très simple. Alors, bon, il y a une enveloppe donc, qui a été mise par erreur vide. Bon, on le sait, hein, puisque donc, vous devez avoir un vote supplémentaire, enfin, une enveloppe supplémentaire, mais bon, on le sait, c'est pas du tout un vote blanc ni quoi que ce soit. C'est pas... Oui, est-ce que je suis mis à mauvaise enveloppe ? On s'en est aperçu en le mettant. Donc, si tu veux, c'est pas. Encore un mot.
Donc, résultat. Alors, résultat. 29 suffrages exprimés, 29 voix pour M. Antoine Gros, aucun bulletin blanc. Donc, eh bien, M. Antoine Gros est élu maire de Lagorre. Mes chers collègues, mes chers amis, vous me faites l'honneur ce jour de m'élire comme premier magistrat de la ville de Lagorre et je vous en remercie très sincèrement. Je remercie aussi tous les électeurs qui se sont déplacés dans les bureaux de vote le 15 mars. Ne vous méprenez pas, c'est empreint d'une profonde émotion que je vous livre ces quelques lignes. Une profonde émotion pour le maire sortant que je suis, car c'est quelque part une reconnaissance du travail effectué pendant la mandature précédente, mais aussi une profonde émotion pour l'homme privé, et je souhaiterais associer à ce moment heureux tout ce que j'aime et qui m'entoure au quotidien. Les premiers artisans de cette nouvelle élection sont tous les conseillers municipaux sortants, comme l'a rappelé Monsieur le Président Le Doyen. Vous avez fait un travail colossal pendant 6 ans, petit à petit, patiemment, transformer et moderniser Lagorre. Vous êtes resté solidaire et fidèle à vos convictions et vos valeurs en concrétisant la quasi-totalité des engagements que nous avions pris en 2014. Croyez bien que nous ne vous oublierons pas, et si c'était le cas, je compte bien sur ceux qui continuent dans ce deuxième mandat pour me le rappeler, et je leur fais confiance pour cela. Je ne peux bien sûr citer les 29 conseillers sortants, mais permettez-moi, s'il vous plaît, de faire une exception pour notre premier adjoint. Serge Comte, qui va enfin prendre un peu de repos après une vie associative et publique très remplie. Excusez-moi, je suis rempli d'émotions. Serge, je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté. Je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté, notamment dans la gestion des ressources humaines. Et je crois savoir que tu pars avec un sentiment général de respect de la part de tous les agents communaux. Mes chers collègues, vous êtes les deuxièmes artisans de cette élection. Vous avez, dès le début de notre travail collectif, à l'été 2019, sous la houlette de Bruno Martin, impulsé un enthousiasme, une joie, une spontanéité, une inventivité, et un regard neuf. Cette équipe est riche de personnalités fortes. Elle est riche d'expériences. Elle est riche de vies diverses. Elle est riche de différentes générations. Aux plus anciens de nous apporter l'expérience, la maturité, la patience, car vous verrez qu'il en faut dans une vie municipale, et aux plus jeunes de nous apporter leurs ambitions, leurs espoirs, leurs innovations, quitte parfois à nous bousculer, nous les anciens, dans nos certitudes. Aux plus jeunes, enfin, profitez de ces 6 ans pour vous former aux responsabilités, car c'est vous qui les endosserez peut-être dans 6 ans. 6 années pendant lesquelles nous développerons inlassablement et avec détermination les 7 engagements sur lesquels se sont prononcés les électeurs lagordais lors du premier tour, le 15 mars. Ramener des jeunes familles par une politique d'urbanisme respectueuse de notre cadre de vie, principalement résidentiel. Prévenir l'isolement de nos anciens. Poursuivre un soutien équitable à tous les quartiers. S'inscrire dans le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, plus que jamais d'actualité après la crise du Covid que nous traversons. Maintenir une bonne gestion financière avec notamment la poursuite du maintien des taux d'imposition qui n'ont pas bougé depuis plus de 6 ans. Encourager
l'implication des habitants dans la vie de la cité, par exemple en créant un conseil économique, social et environnemental local, par exemple en créant un budget participatif, par exemple en initiant très vite une très large concertation autour du devenir du terrain de football du Puymou en face de la Poste. Le dernier engagement, c'est de porter haut et fort le message Lagordais au sein de la communauté d'agglomération. Que ce soit sur l'économie et l'emploi, sujet très important à l'heure actuelle sur lequel nous venons de voter un plan d'urgence de 10 millions d'euros. Que ce soit pour le développement des transports en commun. Que ce soit pour la solidarité entre les communes et la mutualisation entre nos communes voisines. Que ce soit au niveau de l'accès au logement abordable, que ce soit de l'attractivité du territoire, je souhaite, et j'aurai à mes côtés Catherine Chipoff et Patrick Gia, je souhaite que la politique poursuivie par la communauté d'agglomération pendant la mandature précédente soit poursuivie et amplifiée. Toutes ces actions seront menées, je l'ai dit, inlassablement et avec persévérance. Mais nous aurons aussi en permanence le souci de représenter tous les Lagordais, le souci de se nourrir de la pertinence de certaines oppositions, le souci du consensus le plus large. Pour cela, nous développerons plusieurs outils, y compris dans le billet municipal, afin que l'expression d'une opposition constructive, respectueuse, républicaine trouve sa place et puisse être entendue. La création d'un conseil économique, social et environnemental local, instance consultative composée de citoyens lagordais, en sera un autre exemple. Non, contrairement à ce que pourraient laisser entendre certains, nous ne sommes pas ivres de pouvoir et bourrés de certitudes, et nous le prouverons très rapidement. Nous sortons à peine d'une crise sanitaire majeure du Covid-19. Plus que jamais, la nécessité d'un service public fort et efficace au service des citoyens s'impose, à tous les niveaux, et y compris dans la proximité communale. Nous avons à Lagorre des agents souvent remarquables, consciencieux, fiers de leur travail. Ils l'ont montré dans cette crise, et je tiens à remercier Madame Pascale Mativet, directrice générale des services, qui a orchestré cela au quotidien pendant ces 2 mois, ainsi que les nombreux agents qui ont été en première ligne pendant cette période de confinement. Nous pouvons compter sur eux. Avant de conclure, je voudrais vous dire à toutes et tous, mes chers collègues, mes chers amis, de goûter cette journée et de vous en souvenir longtemps. C'est le début d'une longue aventure collective au service de l'intérêt général et de tous les Lagordais. Soyez fiers de votre présence ici ce jour. Je vous remercie. Je vais donc prendre la présidence du Conseil, cher Patrick, et nous allons donc proposer au Conseil municipal 2 délibérations, l'une portant sur le nombre d'adjoints et la deuxième portant sur la nomination des adjoints proprement dit. Vous savez que le maire est élu, évidemment, en tant que maire, mais peut déléguer un certain nombre de pouvoirs à ses adjoints. Et donc, ce nombre d'adjoints n'est pas illimité, puisque la loi précise que l'effectif maximum d'adjoints ne doit pas excéder 30% de l'effectif global du conseil municipal, soit dans le cas de notre commune de Lagorre, 8 adjoints maximum, 30% des 29 conseillers. Les adjoints sont donc désignés ce jour, mais les délégations seront concrétisées par des arrêtés de délégation que je signerai dans les jours qui viennent. Et l'arrêté sera bien clair pour préciser les limites de cette délégation. Pour ce qui concerne le nombre d'adjoints, je vous propose que soient créés 7 postes d'adjoints sur la commune de Lagorre au sein du conseil municipal. Et je vous invite donc à délibérer. Je pense que c'est un vote qui peut se faire à main levée pour celui-là. Donc,
pour ceux qui sont favorables à 7 adjoints, pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît? Très bien, donc je constate que à la majorité absolue, le nombre de 7 adjoints est validé par le conseil municipal, donc la délibération peut aller un petit peu plus loin, puisque nous devons maintenant désigner ces adjoints proprement dit, ces 7 adjoints. Il y a une première liste qui est présentée donc par Antoine Gros et qui est la liste Continuons ensemble. Je vous propose de la détailler. Les termes génériques qui sont utilisés pour chaque délégation sont vraiment des termes génériques et comme je l'ai déjà précisé, c'est l'arrêté du maire qui fixera très précisément le domaine précis d'activité. Donc là, aujourd'hui, c'est une idée générale. Le premier adjoint qui vous est proposé est Monsieur Bruno Martin. Démocratie participative, citoyenneté, communication et ressources humaines. Le deuxième adjoint que je vous propose est Madame Anne-Laure Griveau. Transition écologique, adaptation de la commune aux objectifs La Rochelle, territoire zéro carbone. Le troisième adjoint est Monsieur André Turcot. Finance, commande publique, zone commerciale du Fief Rose, des Greffières et d'Atlantec. Le quatrième adjoint est Madame Brigitte Lacarrière, Action sociale et solidarité. Le cinquième adjoint présenté sur cette liste est Monsieur Xavier Bèche, urbanisme, aménagement de l'espace, droit des sols. Le sixième adjoint, Madame Josiane Bicard, animation communale, vie associative, vie des quartiers de la Plouzière, de l'Ermitage et du Centre-Bourg. Le septième adjoint est Monsieur Philippe Guinoir, en charge de la voirie, des espaces verts, des bâtiments communaux et des cimetières. Voilà la liste des 7 adjoints qui vous sont proposés. Après le vote, je préciserai également qu'il y aura dans les jours qui viennent 8 conseillers délégués qui seront nommés par arrêté du maire. Je vous demande s'il y a une autre liste d'adjoints qui est présentée. Je n'en vois pas, donc nous allons procéder au vote à bulletin secret comme sur l'élection du maire. Donc vous avez les bulletins qui sont devant vous, vous les mettez dans les enveloppes. Vous avez un bulletin blanc pour ceux qui le souhaitent éventuellement et ceux qui ont un pouvoir votent 2 fois. Thank you.
Non, pardon. Bon, très bien, donc résultat 28 votes favorables et un nul. Donc je proclame la liste des adjoints officiellement adoptée par la délibération du conseil municipal. Donc premier adjoint Bruno Martin, deuxième adjoint Alain Griveau, troisième adjoint André Turcot, quatrième adjoint Brigitte Lacarrière, cinquième adjoint Xavier Bèche, sixième adjoint Josiane Bicard, septième adjoint Philippe Guinoir. J'aurai l'occasion dans les jours qui viennent de signer des arrêtés de délégation pour ces adjoints, mais également pour huit conseillers délégués. Monsieur Gérard Bach sera le premier conseiller délégué en charge des affaires scolaires. Monsieur Jean-Christophe Moreau sera le deuxième conseiller délégué
en charge des affaires culturelles et de la médiathèque. Madame Isabelle Baudet sera la troisième conseillère déléguée en charge de la petite enfance. Monsieur Léo Poirot sera quatrième conseiller délégué en charge du développement numérique au sein de la collectivité. Madame Samantha Chervet sera la cinquième conseillère déléguée en charge de la jeunesse. Monsieur Jérôme Pubert sera sixième conseiller délégué en charge des commerces de proximité. Monsieur Jérémy Machmi sera septième conseiller délégué en charge des actions de proximité dans le domaine du développement durable. Et enfin, Madame Cécile Hervoué sera huitième conseillère déléguée en charge de la vie des quartiers périphériques que sont Vendôme, La Vallée et Le Lignon. Je vous remercie beaucoup pour ce vote. Je dois ensuite, pour un bon déroulé de la séance, vous faire lecture de la charte de l'élu local. Et je dois vous en remettre une copie, mais nous avons devancé cela puisque vous avez tous sur vos tables un exemplaire dans une petite chemise rouge. Mais néanmoins, je vais vous la lire. L'élu local, premier article, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rencontre des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, lecture faite, comme je vous l'ai précisé, on doit vous remettre la copie que vous avez dans les petites chemises rouges qui sont disposées devant vous. Voilà, nous approchons bientôt de la fin de ce conseil. Je ne voudrais pas oublier aujourd'hui les deux remplaçants qui faisaient office de 30e et de 31e sur la liste Continuons Ensemble. Donc je pense à Consolata et à Alexandre. Et je les remercie de nous avoir aidés pour pouvoir compléter ainsi la liste, et on pense bien à eux. Je voudrais aussi rappeler que le doyen, les assesseurs et la secrétaire de séance devront rester pour signer le procès-verbal. Le prochain conseil municipal devrait se situer soit le 10, soit le 17 juin, et il y aura un autre conseil municipal en juillet. Il est probable que le conseil municipal de mi-juin se déroule exactement dans les mêmes conditions, avec peut-être la présence de public. Voilà, c'était des conditions un petit peu particulières, certainement émouvantes, mais particulières au regard de la situation Covid que nous traversons. Je remercie l'ensemble des services municipaux pour nous avoir mis à disposition finalement une belle installation, une belle salle. Je remercie le service de la communication aussi pour avoir œuvré autour de cette retransmission. Et je salue, j'espère que ça a bien fonctionné, je salue tous les Labordais ou tous les citoyens du monde qui aujourd'hui était en direct sur le Facebook de la mairie de Lagorre. À très bientôt de se retrouver les uns les autres et de pouvoir échanger plus simplement. Merci beaucoup à tous et je déclare
la séance terminée. Merci beaucoup, au revoir.